Adieu, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Let's Play sur One Piece Odyssey. Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru les ruines gelées. Donc, on a commencé l'exploration. On est, je sais pas, j'espère au milieu à peu près des ruines. Il y a des petites énigmes à gauche, à droite. On a perdu un petit peu de temps parce que voilà, j'ai pas regardé là où il fallait. Enfin bref, on continue jusqu'à la porte du boss. Donc on avait trouvé la clé qui permettait d'ouvrir les serrures où il y a du rouge. C'est parti. Ok, voilà, il y a une grosse stèle. Est-ce que cette stèle-là, on peut là? Non. Ok. Un truc ici, non, ça ne s'active pas. Là, il y a le stade ici en haut. Bien entendu. Serrure bleue. Il faut chercher une clé bleue. Ok. On va revenir sur nos pas. Il y avait plusieurs portes rouges. Ah bah attends. La première, c'était celle-là. Là, c'est par où on vient. Donc, celle-là. Calmez-vous, calmez-vous. Il va falloir faire baisser le niveau de l'eau. Il faut dégeler ça, j'imagine. Alors, attends, on va déjà voir. Machu, machu, machu. C'est pas là qu'il faut aller, donc... Luffy, yudan sunna yo. Nani ga hissonderu ka wakara ne. Alors, attends. Parce que quand on va se déverser sur ce trou et tous nous noyer, mais qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi, Robin, t'es pas calme! Ne nous porte pas la poisse, s'il te plaît. Et là, du coup, on est où? Ochitsukette! Yoku mira tenjou ni tsurara ga aru. Ah non, non, oui, je vois bien hein, qu'il y ait des stalactites et tout là. Il nous faut une clé bleue, les amis. Couronne. C'était trop beau pour être vrai. À mon avis, c'est pas ça, hein. On arrive à monter. Yes, là on arrive. Salut mon ami. Journal de clan égaré. On continue. Pour l'instant, pas trop de difficultés. Ok, donc là, il y a encore un mécanisme. Déjà, alors ça, c'est quoi? On peut aller là? Non, c'est toujours la clé bleue. Là. Est-ce que ça a changé quelque chose d'abord? On va juste aller voir. Hein. C'est peut-être de l'autre côté. Ouais, non, là, il y a un spécial. En général, ça a un impact par rapport à la zone en elle-même.
Non, là je peux pas, j'ai pas la clé. On va aller par là-bas, il y a le point de sauvegarde. Né, Robin wa samuku nai no? Watashi? Mochiron samui wa yo. Comment vous avez poil, elles sont moitié à poil les meufs, là. Calmez-vous là. Usopp lui aussi la moitié à poil mais il se plaint pas. Mais... pas encore en tout cas. Ah nickel. Je pense que j'ai bien fait d'avoir enclenché le mécanisme là. On doit arriver ici, je pense que ça aurait été gelé. Du coup ça aurait été la merde. Mais pour l'instant tout va bien. 28 000 belly. Par là, c'est le côté où hein. Il y aura un monstre. Ah bah c'est peut-être le colosse hein. Il a une idée lui. まあ見てな。 il va transformer. Qu'est-ce qu'il fait? C'est louche cette histoire. こっちだ。この足場の下に別の足場がある。おい、アディオ。今のは何だ？お前の能力。生きたものは掴めねえんじゃなかったか？ははは。掴んでるわけじゃねえ。今のはソルメンテ。俺のコテコテの出来損ないの技さ。自我の弱いところを掌握して、そいつの見たり聞いたりした情報を共有できる。まあ。 J'ai entendu ça, les amis. Contrôler l'esprit mental, là, je sais pas quoi, là. C'est lui ça. D'accord, dès que ce qu'on a une ouais, ouais. Méfie-toi, hein. T'as vu Robin là, hein? Elle se méfie, hein. Parce que pour l'instant, je contrôle pas si qui dit qu'il est pas en train de contrôler Lim. Ok, allons-y. Petite baston là. Alors, lui, on va l'échanger avec Luffy, tiens. On va essayer de faire ça proprement. Ça, c'était pas mal du tout, ça. Les pingouins, salut, ça dégage. Jet the Whipper. Radio, vas-y. Casta. Tempesta.
俺は負けねえ。肩慣らしといくか。そこだけ。いくぞ。On va se refaire gentiment, voilà. Ça prend qui les balles, hein. Panji niveau 37, pas mal. Water 7 の地下にあったのと似てるわね。S'il est là, fait qu'il faut appuyer dessus, c'est logique, non ? Moi, je trouve que c'est logique, hein, mais peut-être qu'on n'a pas la même logique. Alors, pour l'instant, on va continuer. Miro, mata ano sōchi da.Ça, on les retransforme. Méta, machin, blablabla, vas-y. Et on continue là. Puisqu'on a la clé rouge. Et là, on est coincé. Parce qu'il fallait pas appuyer. Aïe 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 aïe. La clé est là. C'est quoi ce délire? Il y a un coffre derrière. C'est comme la dernière fois, ce coffre contient sûrement la, une clé qui ne permet pas d'ouvrir la voie devant nous. Ne retenez pas beaucoup. C'est parti. Alors, on va commencer par un Iron Boxing. Frankie Radical Beam. Ça c'est radical, mais attends, on va commencer par ça. Frankie, à 3000 et quelques, hein, quand même, hein. Ouais, 500 seulement. Sotsuke. Putain, 1000, c'est pas terrible, hein. Bon, là, il est tout seul, donc... Allez, quand même. Thunderbolt Tempo ! 200. Mais quand il y a ce dragon, hein. Tempesta. Bon, Adieu, il enlève plus de dégâts, mais à mon avis, du coup... Ouais, c'est ce qui me semblait. On va garder deux. Qui c'est qui peut attaquer? Ouais, il y en a là. Un pas de kimete. Allez, Tempesta. Tempesta.
la moitié déjà. T'inquiète, je vais te remettre là un petit coup là. Hisatsu Hirotori Bosh, magnifique. Allez, Soge Kings. Tempesta. Testons une autre Franky Fireball, mais ça a l'air pas mal ça, regarde ça. Oh oui. Yes. Putain, Franky, il est trop balèze, je kiffe trop. Évidemment, hein, vous voyez, sac à PV et puis pas d'XP quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les bleus, magnifique. Allez. Parce que ça nous aide. Soya, Kanari Susundana, Kyozon Togonia, Mada Tskane. Ha ha ha. Aserna. Parfait. On est arrivé là où on voulait. La petite stèle là, la petite tablette de titanite. Ah, quand même, je me disais là. T'as fait le gogol là, Luffy là. Kono sekiba ni kizamareteiru naiyou wa. Dou ka shita no? Kishou ni tsuite no kenkyu ga kakareteiru. 面白そうね。もう少し聞かせて。観測と実験。それもかなり高度な。ただその Cette chose ne m'inspire rien qui vaille. Ah, j'ai hâte de voir à quoi ce colosse est capable. Préparons-nous d'abord. Franky. Ouais, il faut l'attendre. C'est parti, les amis. Faut remonter le... Ouais, ben voilà, tu vois. Faut remonter le niveau de l'eau, là, maintenant. Mais d'abord, une petite sauvegarde. Bon, au moins, on a déjà débloqué toutes les clés. Est-ce que là... Oui, le 16 euros offert. Tout à fait, on va le laisser faire. Il y a plein de portes à découper là-bas, donc on va le... On va garder les fragments du x3, magnifique.
parce que là, par exemple, de Wi-Fi pas 3. Jet au pistolet, ça c'est clair. Jet au whip aussi. Et bazooka, pas encore. Ok. Ça va encore pour installer un dispositif pareil. C'est parti, je m'en occupe. Je t'ai dit que je m'en chargeais. Ne vole pas mon quart d'heure de gloire. Ok, ça peut. Tu veux te charger de ça, mec. Ah. Voilà. Oh oui. Oh, mais il n'est pas encore tout à fait... Attends. Donc on a de l'autre côté maintenant. Va falloir glacer tout ça. Un petit coffre des familles. Sauter au ton et des fonds. Très bien. Ça, c'est pour Sanji-kun. Ah, ça, c'est pour Chopa. C'est cool, tout le monde y contribue, c'est bien. Attends, il y a des gens là, on peut se perdre là ou... Alors... Chopa aussi veut trouver des coffres, hein? Tony, Chopa, hein? Là, tu vois? Fragment de cube de Zoroya. Ça peut être pas mal, ça. Voilà, Chamon, c'est bien ça aussi. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Usopp marteau. Attends, je vais voir comme ça sera plus rapide. Sanji. Ouais, Sanji, concassé. Ah ouais, on va concasser là. Et merde, Sanji, on est quasiment au complet lui. Ah. Ah, ça sent bon là-dedans, les amis. Ça sent le mécanisme. Oh, ah. Très intéressant. On peut marquer hein, sur la glace. Il y a des trucs par là ou pas. Fragment de Tony Chopa.
truc sur le toit du propriétaire. Non, rien de spécial, juste le colosse ici là. Ah, maintenant on peut y accéder. Alors attends. Happy. Non. Regardez ça comme ça pour l'instant. Ok. Ok, on va aller affronter le colosse, les amis, maintenant. Et ça, ce sera au prochain épisode. Et oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors voilà, on a fait la deuxième partie, si je puis dire, des ruines gelées. Le colosse se trouve juste là derrière nous. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qui sera consacrée exclusivement au boss fight. Merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir la notification lorsque la prochaine vidéo sera publiée sur ma chaîne. Prenez le temps de le faire, c'est quelques secondes pour vous et pour moi, ça serait très utile. Je vous en suis très reconnaissant. Merci d'avance pour votre soutien et votre fidélité. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien, chers amis. Peace !